All power to the people. 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 En prenant en compte justement la crise actuelle et quelles sont les implications de la pensée décoloniale dans un moment important au Venezuela. El pensamiento decolonial ha cogido mucha popularidad ahora en la academia. La pensée décoloniale a acquis une grande popularité dans l'académie dernièrement. Algunos dicen que pues, el movimiento decolonial pues, es una cuestión de acción o activismo político, mientras otros dicen que pues, es más de carácter académica. Il y a certaines personnes qui disent que la pensée décoloniale c'est académique et théorique et d'autres qui disent que c'est plus une pensée d'action dans la vie pratique. Bueno, como académico y como activista, creo que tiene ambas características. Comme académico y activista, ils pensent que la pensée décoloniale elle revêt ces deux caractéristiques. Pues quería comenzar con algunas premisas básicas sobre el pensamiento decolonial para luego hablar sobre Venezuela. Ok, il voulait commencer son intervention en abordant la pensée décoloniale et les prémices de la pensée décoloniale. Bien, el pensamiento decolonial tiene sus raíces en las experiencias y proyectos de sujetos colonizados a nivel global. Donc la pensée décoloniale trouve ses sources, enfin son origine dans les expériences et les projets des sujets colonisés au niveau global, mondial. Movimientos de resistencia que han retado los regímenes coloniales diseñados por naciones europeas para subyugar y explotar mano de obra de poblaciones nativas en lo que llamamos el sur global. Donc c'est des mouvements de résistance qui ont défié les régimes coloniaux les dessins mis en place par les régimes coloniaux et les nations européennes qui avaient exploité la main d'œuvre des populations natives peuplant le sud global en commençant à la fin du XVe siècle. Comenzando a fines del siglo XV y a través de la destrucción de culturas y civilizaciones indígenas y el secuestro y esclavitud de africanos y africanas y a través de la dominación colonial imperial. A través de la destrucción de culturas y de civilizaciones indígenas, la dominación colonial imperial. La resistencia continuó por la era de independencia para los países del sur, comenzando en el siglo XVIII en América Latina y en mediados del siglo XX en África y Asia. Donc, la resistencia ha continuado durante la era de la independencia en los países del sur, comenzando en el XVIII siglo en América Latina y a la mitad del XX siglo en África y en Asia. Simultáneamente, el sistema mundial entró en un nuevo periodo de colonialismo en que los intereses económicos de grandes corporaciones reemplazaron el sistema colonial del Estado-Nación a través de la imposición de programas de reestructuración neoliberal y anteriormente el concepto de modernización y desarrollo. Simultáneamente, el sistema mundial est entré en una nueva période de colonialismo. Dans lequel les intérêts économiques des grandes corporations, ont remplacé le système colonial de l'État-nation à travers l'imposition de programmes de restructuration néolibérale et auparavant ce qui est venu remplacer le concept de modernisation et de développement. El movimiento decolonial no es lo mismo que lo postcolonial. Donc c'est important de préciser que le mouvement décolonial c'est différent de ce qu'on appelle le postcolonial. Entendemos que la colonialidad no es algo que se pierda cuando un país logra su independencia. On comprend que la colonialité ce n'est pas quelque chose qu'on perd,
même si un pays acquiert son indépendance, arrive à être indépendant. Oui. Et un pays africain, un pays de Afrique, de Asie ou de América Latina peut être colonial mientras goza de su soberanía territorial e independencia formal. Donc un pays africain, pardon, asiatique ou d'Amérique latine peut toujours être colonial en même temps qu'il bénéficie d'une souveraineté territoriale et d'une indépendance formelle. Esto porque entendemos que el colonialismo es un sistema global socioeconómico y político. Car on comprend que le colonialisme c'est un système global socio-économique et politique. Los patrones de dominación colonial, división de trabajo, ubicación de vivienda, pueden ser y son repetidos en los países del sur, así como en los suburbios de las ciudades capitales de Europa. Donc les patrons de domination coloniaux, pardon, dans la division du travail, la localisation des logements, peuvent être et se répètent dans les pays du sud comme de la même manière que dans les pays du Nord, ce sont des banlieues, en fait, dans les capitales de l'Europe, c'est la même disposition spatiale et l'ostracisation. Diferimos de los marxistas ortodoxos en cuanto a la línea o principio organizativo de la sociedad. Donc, on diffère des marxistes orthodoxes quant à leur ligne et leurs principes, à la ligne et les principes qui organisent la société. Mientras para algunos sería cuestión de clase, desde la perspectiva de colonial, el principio organizativo del sistema mundo capitalista es antes que nada racial. Alors pour certains ce serait la classe, depuis la perspective décoloniale, le principe organisateur du système monde capitaliste c'est avant tout la race. También es sexista, homofóbico y clasista. Eso no se niega, pero lo racial es definitivamente fundamental. Oui, le patron du système monde capitaliste est aussi sexiste, homophobe et classiste. L'élément racial reste fundamental. Esto no quiere decir que abandonamos la interpretación material y económica de la historia, sino precisamente si miramos al desarrollo de la civilización occidental que todavía nos domina y la historia del capitalismo, la cuestión de raza es fundamental. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'interprétation matérielle et économique de l'histoire, sinon précisément que l'on regarde le développement de la civilisation occidentale qui nous domine toujours, comme l'histoire du capitalisme. Si no entiendes la dinámica de raza, no puedes entender la dinámica de clase. Si on ne comprend pas la dynamique de la race, on ne peut pas comprendre la dynamique des classes et du capitalisme. Tampoco entendiste lo que es el capitalismo en sí. Donc on n'a pas compris ce qu'est le capitalisme en tant que tel. Sugiero esto no es la única forma de interpretar el mundo, sino solo quiero esposar la perspectiva decolonial. Donc c'est important de préciser que ce n'est pas l'unique manière d'interpréter le monde, mais que c'est important d'arriver à décrire la perspective décoloniale en tant que telle. Recordamos las palabras de Marcus Garvey, hechas famosas por el cantautor jamaicano Bob Marley. Donc on va se rappeler des mots de Marcus Garvey qui sont devenus connus quoi, après la chanson de Bob Marley. Hasta ese día en que la filosofía que valora una raza superior y la otra inferior es finalmente y permanentemente desacreditado y abandonado por todas partes, habrá guerra. Jusqu'au moment où la philosophie qui valorise la race supérieure et en dévalorisant l'autre et finalement jusqu'à ce moment que la philosophie valorise la race supérieure en dévalorisant l'autre, elle reste totalement désaccréditée et abandonne les gens à la guerre, quoi, tout simplement. Et los marxistas, Bob Marley lo dijo mejor. Así es. Los marxistas ortodoxos explicaría guerra y conquistas de tierras
Hoy día, imperialismo por racionamiento estrictamente económico. Donc les marxistes orthodoxes expliquent la guerre et les conquêtes de terres, les conquêtes de territoires aujourd'hui sous le mot impérialisme et pour des raisons simplement économiques. Y eso está bien. Et ça c'est déjà pas mal. Pero sabemos que las guerras e intervenciones siempre son acompañadas por lenguaje, por discurso y por ideología. Mais on sait que les guerres, les interventions pardon, sont accompagnées de langage, de discours et d'une idéologie. Y el dominador común en todas las guerras e intervenciones del occidente hacia el sur y del maltrato de afrodescendientes y musulmanes en Europa es la superioridad de la civilización blanca. Et le dénominateur commun de toutes les guerres et les interventions de l'Occident au Sud et de la maltraitance des afrodescendants et des musulmans en Europe, c'est la supériorité de la civilisation blanche. Su philosophie est supérieure. Et sa philosophie est considérée comme supérieure. Su ciencia est supérieure. Sa science est supérieure. Su economía est supérieure. Et sa économie est supérieure. Son économie est supérieure. Su desarrollo est supérieur. Et son développement est supérieur. Y por supuesto su democracia es supuestamente superior. Évidemment, sa démocratie est supérieure. Ahora, muy importante para la perspectiva decolonial es identificar los centros de poder y no solamente los centros de poderes económicos y del Estado, sino también los centros de conocimiento, y retamos estos centros y esas fuentes de información. Donc, à présent, c'est très important pour la perspective décoloniale d'identifier les centres de pouvoir, et non seulement les centres de pouvoir économiques, mais aussi de l'État, enfin des États, mais aussi d'autre part les centres de production de connaissances. Et on défie ces centres et on se doit de défier ces centres de production de connaissances et leurs sources d'information. Reconocemos que a través del desarrollo capitalista global se han cometido no solamente violencia física contra los pueblos colonizados, sino también violencia epistemológica. Palabras, fuentes de conocimiento, ideas y narrativas. Donc on reconnaît évidemment que à travers le développement du capitalisme global, ils ont commis non seulement des violences physiques contre les peuples colonisés, mais aussi une violence épistémologique, ce qui s'est matérialisé à travers des mots, des sources de connaissances différentes et des idées, des narrations aussi particulières. El pensamiento decolonial no es solo una postura política, sino un ejercicio perpetuo de autodefensa y emancipación. La pensée décoloniale, ce n'est pas seulement une posture politique, mais aussi un exercice perpétuel d'autodéfense et d'émancipation. Cuando pensamos críticamente en tomar una postura política sobre intervencionismo imperialista, pensamos también sobre nuestro lugar de enunciación. Lorsqu'on pense de manière critique en prenant une posture, en assumant une posture politique sur l'interventionnisme impérialiste, on se doit de penser aussi depuis quel lieu d'énonciation on produit notre discours, enfin, notre pensée. Oui. Si alguien me dice que en Países Bajos se vive bien y en Puerto Rico se vive mal, tengo que preguntar quién está hablando y de quién. Si quelqu'un me dit aux Pays-Bas qu'on vit bien et qu'à Puerto Rico on vit mal, je dois me demander qui est en train de parler et de qui on est en train de parler en fait. Cuando alguien me dice que la vida en Rusia es violenta, solo mira lo que hacen con los periodistas y los homosexuales, lo puedo creer y tomar una postura crítica hacia la sociedad rusa, pero eso no quita las dudas que se me ocurren cuando uno me diga que la sociedad rusa es más violenta que la americana. Donc quand quelqu'un me dit que la vie en Russie est violente, je regarde seulement ce que font les homosexuels et les journalistes. Je peux le croire et prendre une posture critique à l'égard de la société russe, mais cela n'enlève pas les doutes que j'ai quand on me dit que la société russe est plus violente que l'américaine lorsque je suis un citoyen américain. Oui, parce que comme je suis ciudadano norte-américain et les États-Unis, cada día matan a un negro por ser negro, hay que pensar de quién está hablando y de quién. Si, ouais, étant donné que je suis citoyen américain et qu'aux États-Unis ils tuent un noir chaque jour, que la police tue un noir chaque jour, il faut se rendre compte de qui est en train de parler et de qui on est en train de parler. Ahora que
Qué casualidad que cada vez surgen revoluciones cuando los de abajo, los negros, los indígenas, las mujeres, la clase trabajadora, empiezan a tomar espacios, cuando empiezan a tomar el poder. En el occidente, los medios de comunicación empiezan a usar lenguaje colonial para señalar que los procesos de reestructuración política son atrasos. Se habla de dictaduras, empiezan a hablar de derechos humanos, en los medios se ven los niños llorando, se habla de hambre, y luego se hace el llamado a nivel internacional a tumbar esos procesos. Vamos a salvar la democracia en esos países. Donc ce n'est pas un hasard si chaque fois que surgissent des révolutions, quand ceux d'en bas, les noirs, les indigènes, les femmes, la classe travailleuse, commencent à récupérer des espaces, quand ils commencent à prendre le pouvoir en Occident, les médias de communication commencent à utiliser un langage colonial pour signaler justement ces processus de restructuration politique et en les déqualifiant, en disant qu'ils sont retardés. Donc on parle de dictature, on commence à parler de droits de l'homme, et dans les médias on voit les enfants pleurer. Donc on parle de faim, et ensuite par la suite on fait un appel au niveau international pour faire tomber ces processus-là. Finalmente, el pensamiento decolonial toma en consideración la relación entre seres humanos y la naturaleza. Finalement, la pensée décoloniale, elle prend en considération la relation entre les êtres humains et la nature. La ciencia cartesiana, eurocéntrica, nos ha llevado a pensar que podemos usar conocimiento para conquistar la naturaleza. Donc la science cartésienne eurocentrique nous a amené à penser qu'on peut utiliser nos connaissances pour conquérir la nature, tout simplement. Mientras, en la cosmovisión indígena, el ser humano se ubica dentro de la naturaleza. La naturaleza debería ser conquistada, no debe ser conquistada. El conocimiento se usa para aprender cómo vivir en armonía con la naturaleza. Donc, d'un autre côté, dans la cosmovision indigène, l'être humain se trouve est situé avec la nature, enfin dans la nature, et donc la nature devrait être depuis l'autre vision cartésienne, la nature devrait être conquise. La connaissance est utilisée pour apprendre comment vivre en harmonie avec cette nature depuis la cosmovision indigène. Bien. Ahora vamos a Venezuela. Venezuela es un país rico con su petróleo, pero antes de la Revolución Bolivariana, una pequeña élite blanca gozaba de la riqueza que se producía. Donc le Venezuela c'est un pays très riche en pétrole, et juste avant la Révolution Bolivarienne, une petite élite blanche jouissait de la richesse qui était produite là-bas. Después de la llegada al poder, Chávez comenzó un proceso de refundación de la República, la Quinta República, con una nueva constitución. Luego se habla de una segunda independencia decolonial. Donc après son arrivée au pouvoir, Chávez a commencé un processus de refondation de la République, de la 5e République en l'occurrence, avec une nouvelle constitution. Ils ont commencé à parler d'une seconde indépendance décoloniale, celle-ci. La nueva constitución permitía el poder legislativo, así como ejecutivo, hacer reformas que beneficiaba a los sectores más pobres del país. La nouvelle constitution, elle permettait au pouvoir législatif comme à l'exécutif de faire des réformes, qui bénéficiaient aux secteurs les plus pauvres du pays. Programas de alfabetización, apertura de cientos de clínicas médicas, nacionalización de servicios esenciales. El Estado creó una cadena de supermercados de 17.000 tiendas que pusieron 85.000 trabajadores a facilitar la venta de alimentos y productos esenciales. Donc il y a eu des programmes d'alphabétisation, l'ouverture de centaines de cliniques, des nationalisations de services essentiels, de services principaux. L'État a créé une chaîne de supermarchés de 17 000 magasins qui ont fait travailler 85 000 travailleurs pour faciliter la vente d'aliments et de produits de première nécessité. Esto después de la tendencia del boicot por los sectores de negociantes. Y todo esto después de la tendencia al boicot mis en place por ciertos sectores de comerciantes. 2 millones de hectáreas fueron divididos y entregados a campesinos sin tierra. 2 millones de hectáreas han sido divididos y rendidos
a des paysans sans terre. La construction de 2 millions de unités de vivienda pública. Là, ils ont construit 2 millions de, 2 millions de bâtiments, de logements publics. Luego la création de comunas, nuevas formas de organización y democracia participativa, incluyendo mesas técnicas de servicios públicos como agua, luz, televisión y telefonía. Acceso a Internet nacionalizado fue declarado un derecho humano. Par la suite, il y a eu la création des communes, de nouvelles formes d'organisation et de démocratie participative, en incluant des tables de travail au sujet des services publics comme l'eau, la lumière, la télévision et la téléphonie. L'accès à Internet a été nationalisé et a été déclaré droit de l'homme. El resultado fue reducción a 70% de la pobreza extrema y una movilización de las fuerzas productivas del país y el desarrollo social. Le résultat fut une réduction de 70% de la pauvreté extrême et une mobilisation des forces productives du pays et le développement social. No podemos negar también que apareció una nueva clase de capitalistas que gozaba del incremento de importación, lo que llaman los boliburgueses, que no necesariamente compartía la visión socialista de Chávez. On ne peut pas nier qu'il y a eu aussi en même temps l'apparition d'une nouvelle classe de capitalistes qui bénéficiait de l'augmentation de l'importation, les bolibourgeois, qui ne partageaient pas nécessairement la vision socialiste de Chávez. A nivel internacional, el comandante Chávez comenzó un proceso de desmantelamiento del sistema mundial unipolar, comenzando en América Latina con los países ALBA y luego CELAC, pero también a nivel global con África, Asia y Sudáfrica. Donc, au niveau international, le commandant Chávez a commencé un processus de démantèlement du système mondial unipolaire, en commençant par l'Amérique latine avec les pays de l'ALBA et ensuite de la CELAC, mais aussi à un niveau plus global avec l'Afrique, l'Asie, l'Afrique du Sud et la Russie. El movimiento antiimperialista en todo su apogeo. Donc c'était le moment où le mouvement anti-impérialiste était à son apogée. En ese momento, América Latina estaba pasando por un proceso de tremenda transformación. À ce moment-là, l'Amérique latine était en train de passer était en train de vivre un moment de grande transformation. Y Estados Unidos y la derecha, con sus ideas de desarrollo a través del mercado y comercio libres, fueron por breve momento despreciados. Et donc les États-Unis et la droite, avec leurs idées de développement à travers le marché et le libre commerce, ont été durant un court instant sont disparu. Ahora vemos que estamos en un retroceso a nivel de Estado, pero las luchas sociales de indígenas trabajadores, mira que hay huelga nacional en Brasil hoy mismo, afrodescendientes, mujeres, todo esto siguen exigiendo reformas y cambios sociales que proponen la revolución bolivariana. Donc actuellement on voit qu'on est dans un rétrocesso, que les avances au niveau de l'État sont en train de reculer, et les luttes sociales indigènes et des travailleurs, comme on le voit actuellement au Brésil où il y a une grève nationale, mais aussi les afrodescendants, les femmes, continuent et exigent des réformes et un changement social que la révolution bolivarienne propose. Sabemos que durante la crisis económica que atravesaba Estados Unidos, fue política de la República Bolivariana extender a unos subsidios de energía en los barrios pobres de Nueva York y Nueva Inglaterra. Donc on sait que durant la crise économique qui a traversé les États-Unis, ce fut une des politiques de la République bolivarienne d'étendre justement les financements et l'énergie aux barrios, aux quartiers pauvres de New York et de la Nouvelle-Angleterre. No podemos olvidar que Venezuela envió mucha ayuda humanitaria a las comunidades pobres y mayormente afroamericanos de Luisiana después del huracán Katrina. Donc on ne peut pas oublier que le Venezuela envoyait beaucoup d'aide humanitaire aux communautés pauvres et majoritairement afro-américaines de Louisiane après l'ouragan Katrina. Central para la revolución bolivariana fue la misión de combatir el racismo y la discriminación legado del colonialismo. Ce qui est central pour la révolution bolivarienne, ça a été de combattre le racisme et la discrimination qui sont les legs du colonialisme. Indudablemente, hubo muchos avances en cuanto
los derechos socioeconómicos y culturales. Inévitablement, on a vu beaucoup d'avancées au niveau des droits socio-économiques et culturels, mais aussi au niveau de l'éducation interculturelle pour les Afro-Vénézuéliens, les indigènes et les femmes. Sí. La figura de Chávez, además de ser una figura carismática, fue también negro, indígena y de clase pobre. La figura de Chávez, carismática, es en gran parte aussi parce qu'il est noir et indigène et originaire de la clase pobre. En 2005, Chávez reconoció que el odio contra él por parte de las oligarquías y a nivel internacional mucho tenía que ver con el racismo. En 2005, Chávez a reconnu que la haine contre lui de la part des oligarchies au niveau qui s'est manifestée au niveau international avait beaucoup à voir avec le racisme. Y Chávez creó la Comisión Presidencial para la Prevención y Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial en el Sistema Educativo. Donc Chávez a creado la Comisión Presidencial para la Prevención y la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en el Sistema Educativo. En 2011, el gobierno revolucionario pasó una histórica ley antidiscriminatoria que estableció mecanismos para prevenir y castigar formas de discriminación racial en los sectores públicos como privados. Donc, en 2011, el gobierno revolucionario ha pasado una ley histórica antidiscriminatoria que ha establecido los mecanismos para prevenir y punir des formas de discriminación racial en los sectores públicos como privados. En 2015, el presidente Maduro participó en un panel de discusión en Harlem, Nueva York, con activistas incluyendo a Opal Temeti, uno de los cofundadores de Black Lives Matter. En 2015, el presidente Maduro ha participado a un panel de discusión a Harlem, a New York, con des activistas, dont Opal Temeti, un de los cofundadores de Black Lives Matter. Meses después, la organización redactó una carta agradeciendo al gobierno revolucionario por su solidaridad y por los avances en cuanto a derechos humanos en Venezuela. Quelques mois après, l'organisation a rédigé une lettre, remerciant le gouvernement révolutionnaire pour sa solidarité et pour les avancées qu'il y avait eu au niveau des droits de l'homme au Venezuela. La misma carta de Black Lives Matter denunció la intervención norteamericana en ese país, especialmente desde 2014, cuando Maduro fue elegido. Donc, cette même lettre dénonçait l'intervention nord-américaine dans ce pays, spécialement depuis 2014, quand Maduro a été élu. Tampoco podemos olvidar la ayuda humanitaria de Venezuela o la ayuda humanitaria que envió Venezuela después del terremoto de 2010 y cuando Venezuela perdonó la deuda que Haití tenía con Venezuela de 395 millones de dólares. Chávez dijo, Haití no nos debe nada, al contrario, Venezuela tiene una deuda histórica con Haití. Donc aussi on ne peut pas oublier l'aide humanitaire que le Venezuela a envoyée à Haïti juste après le tremblement de terre en 2010. Quand le Venezuela a pardonné la dette qu'Haïti avait au Venezuela, c'est-à-dire 395 millions de dollars, Chávez a dit Haïti ne nous doit rien, au contraire c'est le Venezuela qui a une dette historique avec Haïti. Este año, bajo Maduro, el gobierno creó el Centro de Conocimientos Africanos, Americanos y Caribeños, un think tank que sirve al sistema de educación a través de la investigación, cursos en línea, programas y bibliotecas. Donc cette année, sous le mandat de Maduro, donc le gouvernement a créé un centre de connaissances africaines, américaines et caribéennes, un think tank qui sert le système d'éducation à travers la recherche, des cours en ligne, des programmes et des bibliothèques. También se estableció la Cátedra Libre de Afrodescendencia que se encuentra en todas las universidades bolivarianas. Donc ils ont aussi établi la cathédrale, c'est cher, la chaire libre des afrodescendants qui se trouve dans toutes les universités bolivariennes. Bien, ahora una palabra sobre la crisis actual y la Asamblea Nacional Constituyente. Maintenant on va parler de l'Assemblée nationale constituante.
Sí. Podemos hablar de una guerra económica, especulación monetaria y de productos básicos. También se puede hablar de corrupción sin duda. Donc on peut parler de guerre économique, d'une spéculation monétaire et sur les produits basiques aussi. Et on peut aussi parler de corruption sans aucun doute. Pero la violencia es perpetuada por la derecha, élite blanca, con apoyo de las oligarquías blancas nacionales de Sudamérica y de Estados Unidos. Mais la violence est perpétrée par la droite, l'élite blanche avec l'appui des oligarchies blanches nationales d'Amérique du Sud et des États-Unis. Sabemos que las guarimbas de los ataques contra trabajadores públicos y el asesino vil de Orlando Figueroa, joven afrodescendiente de 21 años, quien fue apuñalado, lo desnudaron, luego le pusieron gasolina y le quemaron vivo, murió días después. Donc on sait que les guarimbas, les attaques contre les travailleurs publics, l'assassinat vil de Orlando Figueroa, un jeune afrodescendant de 21 ans qui a été poignardé, qui a été dénudé, ils lui ont enlevé ses vêtements et ils l'ont incendié vivant. El bombardeo del Tribunal Supremo en Caracas el otro día. Le bombardement aussi du Tribunal Supreme de Caracas dernièrement. Esto fue por un policía que robó un helicóptero y entonces empezó a tirar granadas por algunos edificios importantes del gobierno. Un policía avait volé un hélicoptère en fait et il a tiré des grenades et tiré des balles aussi sur le bâtiment. Sí. Según las investigaciones, las granadas fueron adquiridas en Colombia y fabricadas en Israel. Selon les investigations, enfin les recherches, les grenades viennent de Colombie et ont été fabriquées en Israël. Entonces, cuando leemos los periódicos y vemos la televisión acá en Europa, desde la perspectiva colonial, nos toca la pregunta: ¿quién está en revuelta contra el gobierno de Nicolás Maduro? ¿En qué partes del país hay contrarrevolución y para qué? Maintenant, quand on voit les informations en Europe, on a le droit de se demander qui est en révolte contre le gouvernement de Maduro et pourquoi il se rebelle contre Maduro. La crise politique de Venezuela surge desde que la opposition de derecha abandonne el espacio democrático institucional, cuando entraron en desacato con los tribunales del país. Donc la crise politique au Venezuela surgit depuis que l'opposition de droite a abandonné l'espace démocratique institutionnel. Quand ils sont rentrés en désaccord avec tous les tribunaux du pays. A no ver una solución práctica a confrontar a la derecha violenta y con la voluntad de defender la revolución bolivariana, el presidente Maduro convoca una asamblea nacional constituyente. Según los artículos 247, 347 y 348 de la Constitución, que reconoce que el poder supremo yace en la voluntad del pueblo y que cualquier proceso de transformación social del Estado y la redacción de una nueva Constitución tiene que ser del pueblo. Donc en ne voyant pas de solution pratique de par le fait que la confrontation avec la droite violente n'allait mener à rien et que la volonté de défendre la révolution bolivarienne était plus importante, le président Maduro a convoqué une assemblée nationale constituante selon les articles 247, 347 et 348 de la Constitution qui reconnaissent que le pouvoir suprême appartient à la volonté du peuple. Et que chaque processus de transformation sociale de l'État et de la rédaction d'une nouvelle constitution réside dans ces trois articles. En fait. La propuesta y el mandato es la elección de 545 delegados de dos ámbitos de participación. Donc la proposition de l'élection, c'est 545 délégués de deux espaces de participation. Esto es territorial y sectorial. Para la representación de las fuerzas progresistas del país. Que a la fois territorial, mais aussi sectorial, pour la représentation des forces progressistes du pays. 364 serían territoriales y 181 sociales, incluyendo
sindicatos, mujeres, indígenas, comunas, campesinos y pescadores y de la comunidad de diversidad funcional. Donc ce serait 364 territoires et 181 sociaux, donc en incluant des syndicats, des femmes, des indigènes, des communes, des paysans, mais aussi des pêcheurs et la communauté de diverses. Fonctionnant des handicaps. Handicapés. Nunca he visto un repensamiento del Estado con tanta diversidad y participación democrática. Qu'il a jamais vu le fait de repenser l'État avec autant de participation et de diversité dans les gens qui participent. Entonces este constituyente, el propósito es abrir un debate sobre la forma política que permitiría reformular la gobernanza dentro del marco de la revolución bolivariana. Donc ce débat ça permet d'ouvrir une discussion au niveau national sur la forme que la politique revêt lorsqu'on se propose de reformuler la gouvernance dans le cadre de la révolution bolivarienne. Maduro propone 9 líneas programáticas del debate. Donc Maduro propose 9 lignes programmatiques autour du débat. Uno es ganar la paz, aislar a los violentos y terroristas, garantizar la mayor participación de los procesos políticos. Donc le premier c'est gagner la paix, remporter la paix, isoler les violents et les terroristes et garantir la plus grande participation aux différents processus politiques. Segundo, ampliar y diversificar el sistema económico, hacer una economía post-petrolera. Donc c'est élargir et diversifier le système économique pétrolier, donc faire une économie post-pétrolière. Incluir las misiones y elevarlas a nivel constitución. Donc inclure les missions et les élever à un niveau constitutionnel. Seguridad y justicia, es decir, abandonar la impunidad. Donc sécurité et justice, abandonner l'impunité. Sabemos que la violencia en Venezuela no es estrictamente política, siempre ha tenido un carácter de violencia que tiene que ver con el narcotráfico. Donc on sait que la violence au Venezuela n'est pas strictement politique, mais qu'elle est aussi liée au narcotrafic. Enfin, qu'elle a un caractère. 5. Nuevas formas democráticas. Donc de nouvelles formes démocratiques. 6. Defensa de la soberanía nacional. Défense de la souveraineté nationale. 7. Identidad pluricultural, incluyendo indígenas y afrodescendientes. Donc cette identité pluriculturelle en incluant les indigènes et les afrodescendants. Y garantía del futuro para los jóvenes. Garantía de futuro para los jóvenes. Una ampliación de servicios para jóvenes. Un agrandissement, un élargissement des services pour les jeunes. Y por último, cambio climático. Donc, en dernière instance, le changement climatique prend en compte aussi. Esta democracia nunca la hemos visto. Donc cette démocratie, on l'a jamais vue. Y los venezolanos están bien claros. Et les Vénézuéliens sont très clairs là-dessus. Mientras la oposición de derecha sigue usando la violencia, mientras siguen tratando de revertir los avances de la revolución bolivariana, mientras sigue dependiendo de ayuda de Estados Unidos y las oligarquías, no hay espacio para ellos en el nuevo régimen. Donc, pendant que l'opposition de droite continue d'utiliser la violence, pendant qu'ils continuent de dissimuler les avancées de la révolution bolivarienne et pendant qu'ils continuent de dépendre de l'aide des États-Unis et des oligarchies, il n'y a pas d'espace pour eux dans le nouveau régime. Espero que he dado suficiente información para considerar la perspectiva decolonial en el marco de la crisis en Venezuela hoy día. Il espère avoir donné suffisamment d'informations pour comprendre la perspective décoloniale au moment d'aborder le Venezuela. Merci. All forward to the people. All forward to the people. All forward to the people. All forward to the people.